un let's play dessin, voilà, pour ordinateur, parce que comme je l'avais expliqué une fois, ma connexion internet n'est pas assez bien pour... Donc du coup, voilà, hop, ça va être un petit let's play dessin vraiment tranquillou. Si vous avez des questions sur Pokémon, n'hésitez pas. Moi, je vais terminer, voilà, si vous voulez qu'on discute, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, voilà, vraiment de la détente. Hop. N'hésitez pas, même si c'est pour venir faire un petit coucou. Voilà, un petit coucou à la caméra. Ce sera tout aussi bien. Hop. Non, mon logiciel a déjà planté. C'est pas possible. Ok. Donc ça, ça va pas le faire. Hop, hop. Bon, ah, bah bonjour Benji. Bon, je pense que tu as dû reconnaître du coup ton dessin. Hop, bah non, là pourtant ça marche. Ok. Ça veut pas s'enlever. Donc, bah, bonjour à vous, bon dimanche. On va s'occuper aujourd'hui de... Enfin, je vais essayer de terminer ce dessin. Voilà, si vous voulez discuter en même temps, il n'y a aucun souci, vous pouvez discuter. Hop, on peut parler tranquillou. Je vais peut-être faire un fond piscine plutôt orange. Non, normalement, c'est blanc. Ouais, blanc, ça m'embête. J'ai pas envie de faire blanc. Bonjour à toi qui viens. Eh ben écoute, c'est gentil d'être venu, d'être passé. Merci à toi. Voilà, et puis je te souhaite un bon dimanche. Non, je vais peut-être laisser blanc du coup. On va tout gommer. Non, on peut pas gommer. Hop. Donc c'est parti, objectif d'aujourd'hui. C'est peut-être un peu gros. Peut-être un peu pas assez. Ça, ce sera bien. Du sang, ça sera peut-être un peu mieux. Hop, ben bonne journée à toi aussi. Merci beaucoup d'être passé. C'est vraiment super gentil à toi. Alors du coup, on va faire, voilà, on va déjà, ouais, on va tout dézoomer. Hop. Donc c'est parti. Donc la personne m'avait demandé du coup un dessin de Psycho-Quack. Ouais, bah de rien, Benji. Voilà, un joli petit dessin de Psycho-Quack. Donc après les couleurs, c'est pas totalement ça, hein. C'est beaucoup plus clair ce que j'ai fait. Hop, et bah écoute, ça va. Ça va, ça va. J'essaye de survivre. Entre toi et du coup, Raphaël, j'essaye de survivre. C'est pas facile. Hop, ça fait peut-être un peu gros comme balle. Je suis en train de me dire, à peut-être plutôt faire du 80. Hop, donc le mieux c'est de commencer par le fond. Donc ouais, j'essaye de survivre entre toi et Raphaël. C'est... Ah bah voilà. Bonjour mes gars. Bonjour Raphaël. Mais oui, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre de toute façon. Donc, comme ça c'est fait, hein. Hop. Du coup là, j'ai quand même fait une jolie bêtise. Alors comment je vais faire? Eh ben on va regommer. Parce que j'adore gommer. J'adore faire des trucs et regommer 2 minutes après. C'est drôle. Hop. Voilà. Tap. On va quand même faire des boules jaunes un peu à droite. Non, parce qu'après ça va être compliqué. Hop. Voilà, donc la personne m'avait demandé de un dessin de Psycho-Quack, tout simplement, hein, n'importe quoi. Non, c'est vrai. Vous êtes en ce moment, vous êtes incorrigible, vous êtes impossible. Et encore impossible, je crois que c'est même léger. Réellement, vous êtes impossible, vous êtes insupportable. Surtout toi, Raphaël, t'es insupportable. Ouais, le Psycho-Quack, du coup, Shiny, qui est super heureux. Donc, du coup, ils devaient jouer ensemble. Et au final, je suis une grande fan des piscines à balles. C'est bête, mais j'adore les piscines à balles. Pourtant, j'en ai quasiment jamais fait de toute ma vie. Donc, du coup, voilà, j'ai fait une piscine. Et puis, je vais là, aujourd'hui, je vais rajouter toutes les balles. Donc, voilà.
Oh, merci, c'est trop gentil. C'est beaucoup trop gentil. Ouais, du coup, là, j'ai gommé un peu trop. Non. Voilà. Hop. Donc là, ça va surtout. Bonjour Yupslo. Bonjour. Ouais, une jolie piscine à balles. Donc aujourd'hui, on va faire surtout des balles. En fait, ça va être quasiment le plus long quoi à faire en fait. Donc c'est pour ça que je suis pas sûre de terminer réellement en fait en live. Hop. Parce que je vais avoir énormément de balles à faire en fait. Tac. On va en mettre une autre là. Surtout qu'en plus j'ai envie de les faire multicolores. Hein. Ouais, ça va être trop de la balle de faire ça. Ça va être tellement classe. Puis en plus j'ai envie de faire des balles multicolores. J'ai pas envie de faire des balles normales, voilà, que d'une seule couleur. Donc je vais utiliser une énorme palette de couleurs. Rien que pour faire des balles. Ça va être mortel. Là, à la rigueur, ça va. C'est pas non plus les faire, c'est pas non plus le plus compliqué. Ça va surtout être après pour faire les reflets dessus. Là, à la rigueur, ça peut passer. Hop, un petit goût de gomme ici. Voilà. Hop. Oui, évidemment. C'est bon, celui-là, il a été fait. Non, je gomme. Faut pas gommer. Et c'est gros, faut pas grossir non plus. Non. Du coup. J'ai pris du 80. Ok. Tac. Voilà. C'est mieux. 80. Oui, après, vous pourrez aller jouer avec vous si vous voulez. Aquacock Shiny, il est comment? Il est bleu foncé. Et ses pattes, elles sont roses. Et son bec, il est rose, si je me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Mais oui, après, on pourra aller jouer avec eux. Il n'y aura pas de soucis. On va tous aller dans la grosse piscine à babales. Parce que c'est bien les piscines à balles. N'empêche. Peut-être pour mettre un peu de gris. Donc c'est bien, je vais tapoter comme ça pendant 3 heures. Je sens que je vais m'amuser. Hop. T'avais mis quoi, Megasam, comme message? Parce que du coup, je ne l'ai pas vu. Je vois juste que tu l'as retiré. Hop, donc qu'as-tu voulu dire? Hop. Là, on va mettre plutôt. Ouh, celui-là. Ah, je croyais que c'était Raphaël qui m'a envoyé un message juste pour embêter pendant le live. Oh, Marc, il en serait tellement capable. Je dis ça, je ne dis rien. Hop, on va essayer de ne pas mettre trop de balles non plus de couleur bleue. Ouais, non, on va quand même la faire plus. Hop, on va quand même la prendre sur toute la longueur du doigt. Ah, d'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Mais ouais, si je me trompe pas, normalement, il est bleu. Alors, il est d'un bleu différent. Il est légèrement bleu à plus foncé. Il est plus foncé. Ouais, avec son bec rose, du coup. Une jolie balle lavande. Tandis que Psycho quoi, ouais, il est entièrement bleu, dans les tons bleu glacial. On va faire un beau violet. Il va quand même falloir faire un mélange de couleurs. Hop, là on va remettre ouais, un joli aubergine. Voilà.
Je t'en ai envoyé un peu. Oui, bah oui, bah je le vois, je le vois, je le vois. Je le vois, hein. Un nouveau montage. De quoi un nouveau montage, hein? Quel nouveau montage? Parce qu'en plus, vu que je dessine, je comprends pas totalement. Voilà ce que les autres gens ils me disent. Hop. Ah oui, non, bah j'espère pas que c'est un nouveau montage. Oui, non, attendez, ça vient de me revenir. Non, mais j'espère pas que c'est un autre montage. C'est bon, quoi. Hop. C'est bon. Hop. J'ai décidé de pas l'acheter. Donc, stop. Stop, essayez de me le faire acheter. D'ailleurs, les amis, j'ai une bonne nouvelle. Enfin, j'ai quelque chose à vous dire. Du coup, toutes les. En fait, tous. Sur mon Utip, tout l'argent que je vais récolter sur. Quand vous allez regarder des vidéos. Des vidéos gratuitement. Je vais utiliser cet argent pour m'aider du coup dans mon cosplay de Becky Pan. Donc n'hésitez pas en fait bah, du coup à regarder un max de vidéos, à partager à des personnes même si ils connaissent pas forcément la chaîne et tout, juste pour regarder des vidéos, voilà, juste pour me soutenir. J'utiliserai cet argent du coup pour avancer, enfin pour financer mon cosplay de Becky Pan, qui j'espère que je vais bientôt pouvoir commencer, parce que là ce serait vraiment pas mal. J'ai qu'une hâte, c'est vraiment de le commencer. Oh, c'est gentil. Mais n'hésitez pas, en plus, c'est gratuit, donc allez-y, hein, franchement, vous pouvez y aller tranquille. Hein. Ah, c'est gentil, Benji, c'est gentil à toi. Alors là, du coup, je me suis craqué, je me suis craqué, je me suis craqué. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. On va le mettre, hop. Je vais l'effacer le gros rose après, hop. Parce que là, je me suis trompée. Faut vraiment que je parte du fond. À revenir après. Mais de toute façon, voilà, je remettrai un. Hop. Je referai un poste. Oui, j'aurais dû vraiment partir voir bon, celle-ci. Non, ça fait un mélange de couleurs de babal. Hop. Mais n'hésitez pas. Ouais, je remettrai le lien de mon Utip. Voilà, si vous voulez m'aider à financer mon cosplay de Becky Pan, du coup, pour le projet de la chaîne. Voilà, sur quand je ferai le postier dans les conventions pour offrir des choses. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Hop. On va mettre un gros rose Barbie. Alors, où est-ce qu'on va mettre le rose Barbie? Faudra qu'il soit bien voyant. Hop, et ben voilà, on va le mettre. Hop. Le Psycho quoi qui lance des balles, on va la mettre là. On va la mettre là. Tu vas regarder plus de. Ben franchement, j'espère, ouais, j'ai hâte. Là, déjà, si je peux aller faire un peu des magasins, ce serait bien. Après, les magasins de tissus les plus proches sont à 45 minutes de route, ce qui est quand même assez énorme. Parce que tous les magasins que j'avais dans les parages, en fait, ils ont fermé pour changement de propriétaire juste avant le confinement. Et puis, vu qu'il devait y avoir des rénovations dans les magasins, ben, avec le confinement, les rénovations, comment vous dire que c'est juste pas possible. Donc c'est vraiment compliqué. 45 minutes pour juste un magasin de tissus. Ouais, ça fait un peu mal quand même. Hop, bon là je vais vraiment effacer à la bourrine. Hop. J'ai fait mon rose Barbie. Oui, j'ai fait mon rose Barbie. Voilà. Oui, il y a un rose Barbie qui se perd. Ouais, ça fait con quand même un rose Barbie qui se perd là en fait. On verra pour le mettre ailleurs le rose Barbie. Tuc. La compétition, quoi. La compétition. Hop. Et puis on les ragrandira un petit peu après.
Donc voilà, je suis désolée, ça va pas forcément être le plus intéressant. Faut que je vous fasse plein de babales. Il y a plein de babales à faire. Parce que c'est bien les babales. C'est bien. Hop, je vais peut-être les ragrandir un peu. Alors un tout petit peu, pas non plus. Ah, il y a quand même une sacrée différence. Hein. Et j'ai pas de 90. Hop, un rose un peu pâle. On va mettre du rouge. Alors, du rouge, ça va être quand même compliqué de le faire à la bordure. Vive les psychoquacks. Les psychoquacks domineront le monde ou pas. Je l'ai fait trop proche en fait l'une de l'autre du coup. Je l'ai fait trop proche. Du coup en fait au lieu de mettre 1 heure à faire ma piscine à balles, je vais mettre 3 heures. Bah ouais, c'est ça. D'accord, Megasam, bah écoute, bon après-midi à toi. Merci beaucoup d'être passé. Hein. Ah, oui, j'avoue, le maillot de bain, il était très joli. Bisous à toi, Mega Sam. Ou pas. J'avoue que ouais, le maillot de bain, il était vraiment très joli. J'aurais adoré l'acheter, mais voilà. J'ai d'autres priorités. Hop, je vais économiser du coup pour le tatouage Pokémon, le second que je vais faire. Punaise, ça c'est de la piscine à balles quoi. Ça c'est de la sacrée piscine à balles. Bon après je pense peut-être en rajouter une épaisseur. Ouais, si j'en rajoute une épaisseur. Si, il faudra que j'en rajoute quand même. J'en rajouterai un peu parce que là le pauvre psychocoque en fait il va littéralement se faire exploser la tête contre le sol. Ah oui c'est vrai mais bonne journée à toi du coup. C'est vrai, bonne matinée à toi. Voilà. Un joli psychoquack. Bon, il faudra que j'en rajoute quand même un peu des balles parce qu'au final, effectivement, le psychoquack est en train de plonger. Il va se prendre le nez dans le fond de la piscine. Il va avoir vraiment très mal. Donc là, ça va être des jaunes. On va éviter. Hop, on va peut-être commencer à en faire d'autres. Ouais, alors attends, non, ce que j'ai fait c'est complètement stupide, comme d'habitude pour pas changer. Hop, on va les passer beaucoup plus grosses parce que c'est le premier plan. Alors, faire des caca doigts, c'est pas, ça va pas être joli. Oh, je vais faire un joli caca doigt au premier plan. C'est beau le caca-doigt. Voilà, c'est beau. Elle est belle cette couleur. Le bec. Peut-être qu'ils ne connaissent pas. Ouais, c'est ça, le mal de bec. Ah, là, ils sont tellement. Oui, c'est vrai que le mal de tête, ils connaissent pas. Ils sont tellement habitués, les psychocos, à avoir mal à la tête que pour eux, en fait, c'est pas si grave que ça. Mais on va quand même éviter qu'ils s'explosent la tête, en fait, sur le sol. Donc, on va quand même essayer de leur mettre. Un petit fond. Les pauvres sinon. Hop, et après, voilà que je reprenne chaque petite balle en fait. Mince. Voilà que je reprenne chaque petite balle pour lui donner un petit effet brillant. Voilà. Pour lui mettre un petit coup d'aéro brillant. Je vais peut-être mettre des balles d'ailleurs qui volent. Hop, là, on va repartir. Dans le vert. Tac, on va remettre des balles un peu plus grosses pour le milieu. Tape, on va en mettre une là. Hop,
Ça c'est un joli verre. Voilà. Tac. Donc du coup, t'inquiète pas, Benji, tu vas bientôt recevoir ton dessin. Hop, si c'est pas aujourd'hui, tu le recevras demain. Il n'y aura aucun problème. Il sera bientôt à toi. Rien qu'à toi. Tu pourras en faire ce que tu voudras. Donc là, on retourne dans le vert. Qu'est-ce qu'on va faire en vert? On va mettre du beau vert quand même. Hop, on va en mettre une ici. J'aurais pas dû la mettre là réellement en fait. Parce que là c'est pas correct. Encore rien. Hop. Voilà. Plutôt la mettre là. Ça rentre mieux. Bah si t'en auras un, bah, c'est que Benji en fait il a. Benji, en fait, il a gagné un concours du coup pour avoir un joli petit dessin. Donc c'est pour ça que je lui fais un joli petit dessin à Benji. Parce qu'il a participé à un concours et il a gagné. C'est pour ça. Hop, là, ça fait quand même beaucoup de verre. On va repasser ouais, dans du verre d'eau pour changer un peu. Voilà, tout s'explique. Bah oui, tout s'explique. Ceci explique cela. Tu comprends mieux maintenant pourquoi je dis toujours oui à lui et pas à toi. Non, je rigole. Hop. On fait des balles, des balles, des balles. Et pif, paf, boum. Hop, c'est vrai qu'il va falloir que je remplisse quand même un peu là-haut aussi. Ah, elle est plus petite ma balle. C'est que des balles du milieu, ça. Ça, c'est une balle. Bah, je vais la rebondir. Hop, voilà. Hop. Ouh, un beau bleu gris. Un bleu gris. On va le mettre tout le bleu gris là. Parce que c'est vrai que là ça fait quand même bas en fait. Bonjour Rafa Chachanadal. Oui, je fais du dessin aujourd'hui, un peu de dessin. Voilà, je termine une petite commande. Hop. Voilà, de deux psychos qui s'amusent dans une piscine à balles. Donc là, je suis en train de faire toutes les balles parce que c'est drôle de faire plein de ronds partout. Et que je me complique pas du tout la vie. Hein. La vie est trop courte pour se la compliquer à faire rond par rond. Voilà, donc je tapote. Je dois être fatiguée, j'ai cru voir un psychocoque cligner des yeux, quoi. J'ai cru voir mon dessin en train de cligner des yeux. Je dois être vraiment fatiguée. C'est pas possible là. Le psychocoque qui cligne des yeux, c'est pas normal. Je vais même le faire un peu plus. Ouais, non. Allez, on va le laisser là. Hop. Tac. Donc voilà, un petit dessin pour changer en fait de ce que je fais un peu habituellement. Habituellement, je fais pas non plus trop de dessins en fait. Et ce serait dommage de ne pas en profiter. Hop, alors je suis pas sûre que le psychoquac en fait du fond, maintenant je vais gommer réellement
Voilà, gommer ce qui est la partie basse pour voir son bec et ses mains. Je trouve que c'est pas trop mal là de voir en fait qu'il plonge vraiment dedans à fond. Juste le petit coco qui est là où je vais gommer tout le coup, je gommerai tout le contour. Hop, une petite grise. Hop, on va passer dans un bleu un peu plus foncé. Donc c'est pas facile d'essayer de dispatcher correctement les couleurs. Hop. Où est-ce que je peux mettre? Bah, on va mettre du bleu là. Ça m'a l'air bien de mettre du bleu là. Hop. Un peu, oh oui, un beau bleu foncé bien noir. Hop. Donc voilà, si vous avez des questions en même temps, vous avez le droit de toute façon. Zera Aura, bah écoute, faut que je voie si j'ai le temps. Parce que je sais que j'ai celui d'une amie aussi à faire pour son anniversaire. Je sais que j'en ai pas mal à faire. Et il faut que aussi que je prenne du temps en fait pour moi, pour réussir à découvrir en fait comme mon style de dessin, pour réussir à savoir comment je veux réellement dessiner. Et tout ça parce qu'en fait voilà, j'ai pas de style de dessin. Enfin voilà, ce que je dessine en fait, je mets toujours trois plombs à le faire. Donc il faut que j'arrive en fait à trouver un style de dessin qui me correspond et qui m'évite à mettre une semaine par exemple pour faire un dessin ultra basique. Par exemple ça, voilà. Hop. Je mets beaucoup trop de temps à faire mes dessins, donc il faut que j'arrive en fait à trouver un temps pour savoir comment je veux réellement dessiner. Et c'est pas si facile. Personnellement, dessiner pour moi, je pensais que c'était simple et tout, parce que je fais du dessin un peu tous les jours. Mais en fait, je me rends compte que je sais pas vraiment comment je veux dessiner. Du coup, ça me pénalise pas mal. Faut que j'arrive à trouver quelque chose. Hop. Donc voilà, c'est pour ça que je vais prendre aussi le temps. D'accord, ok. Bah écoute, je verrai, je referai sûrement peut-être quelques petites commandes, des petits trucs comme ça. Pour le moment, ouais, je veux vraiment essayer de trouver mon style de dessin qui me correspond et qui me ferait gagner du temps dans mes commandes. Voilà, qui m'évitera de passer 3 heures sur des commandes. Ça, c'est ça. Hop. Mais il n'y a pas de souci, quand je pourrai, je repasserai. De toute façon, je referai un message. Il n'y a aucun souci. Hop. Et peut-être que je referai des concours où du coup, il y a à gagner encore des petits des chiens. Hop. Parce que n'empêche, ça vous avait bien plu. Et c'est pas trop mal. J'ai réussi à faire toutes les commandes. Même si j'attaque que maintenant la dernière. Mais ça vous avait bien plu. Donc du coup, je me dis pourquoi pas. Hop. Du violet. Mais il y en a partout du violet. En fait, c'est assez compliqué. Ah, un violet gris. On n'a pas un violet foncé, plus foncé que ça. Pas vraiment. Ça fait des balles, c'est ça. Ouais, il faut que j'arrive à trouver. Bah merci beaucoup, mais il faut que j'arrive à trouver en fait quelque chose qui me correspond mieux.
Et qui fait que je suis à l'aise et qui fait que je peux réussir peut-être à me mettre à faire un dessin en fait en 2 jours. Parce que là, enfin, je mets réellement beaucoup trop de temps en fait à faire mes dessins. Et du coup, ça me convient pas quoi. Enfin, ça me convient vraiment pas. Donc, il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui me correspond mieux. Je ne perds pas espoir. Je sais que j'arriverai à trouver quelque chose quand même. Là, j'ai quand même mis du violet un peu partout, donc en fait, ça va être comme on va plutôt aller dans la rose. Rose, ça c'est beau le rose. Il me faudra aller. Et bon, hop. De quoi qu'il est triste, Raphaël, je suis. Hashtag, je suis d'accord. Allez, créer un hashtag. Je pense que les gens ils vont bien rigoler. Non, mais voilà, c'est. Voilà, j'arrive à trouver mon style de dessin. Ouf. Je n'ai. Oh! Mieux. C'est pour ça que je vais me concentrer après. Voilà. Oui, c'est déjà un bon début. Au moins, ce que je dessine, on arrive à le reconnaître. C'est déjà très bien. C'est déjà un super bon début. Voilà, c'est ce que je me dis. Ça, c'est un peu plus compliqué. Ça m'embête parce que je vois ma connexion internet en train de sauter et je ne peux même pas me mettre en 4G parce que je n'ai plus de 4G. C'est triste ça aussi, décidément. J'ai pas mis un joli rose framboise. Hop, non, là c'est déjà rose. On va mettre un rose. Hop, et puis de toute façon, Raphaël, j'ai déjà un dessin en fait de base que je veux te faire pour te l'offrir. Donc voilà, je vais pas refaire un dessin. Un rose grisé. Bah si, on en a déjà un. Hop, donc je vais pas en fait te faire de dessin. Je suis désolée, j'accepte pas tes commandes. J'accepte pas de prendre. Voilà, j'accepte pas que tu me prennes une commande. Est-ce que je vais y arriver? Hop. Non, on va plutôt aller dans le rouge. Je suis désolée, ça arrête pas de sauter, je suis vraiment désolée. Et même penser au brin d'ADN dans Jurassic Park. Ah, si seulement. Mais non, c'est pas ça, désolé. Donc, ouais, déjà de base, en fait, je veux. En fait, normalement, j'étais censée le faire et te l'offrir à la Japan Expo. Sauf que, bah, ça va être compliqué de te l'offrir à la Japan Expo cette année. Voire de toute façon impossible. Donc, bah, va falloir que t'attendes. C'est tellement pas de chance. Il va falloir que tu attendes. C'est trop triste. Désolée. Voilà, je vais pas rigoler de ton malheur. Non, c'est pas assez gros ça. On va en faire une petite. Hop. Voilà, je suis désolée réellement que ça arrête pas de couper vraiment. Ah oh voilà. Non, ouais, mais je suis trop gentille en fait avec les gens. Horrible. Bon, qu'est-ce qu'il me veut du coup? Je vais regarder comme. Oh, le joli brin d'ADN, comme c'est drôle. ok. Ouais. Bah ouais, c'est embêtant. C'est vraiment le virus, il est embêtant. Mais en même temps, j'ai envie de dire, bah, on n'a pas le choix. Donc voilà, on essaie de rester bien sage. Hein. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs que les écoles vont peut-être. Le déconfinement va peut-être pas se transmettre. Ils sont en train de réfléchir. En même temps, je trouve que c'était peut-être un peu trop beau pour être vrai que ça soit fait le 11 mai. Mais voilà. Hop, on va faire une plus petite là. Tac. Punaise, il y a de la balle quand même. Non, c'est vrai. Hop, à cause du bug. Non, sérieux, je peux pas dézoomer. Hop. Eh ben, c'est pas trop mal quand même. Hein. On arrive à la fin de cette piscine à balles. Voilà. Ouais, on aura la réponse jeudi. Donc, ouais, non, mais c'est vrai que c'est ultra compliqué. Hein. C'est vraiment trop galère. Moi, quand je vois mon chéri qui habite dans le Nord-Pas-de-Calais, je suis.
Voilà, je peux pas aller le voir. Ça fait depuis décembre que je l'ai pas vu, je peux même pas aller le voir. C'est vraiment la grosse merde, ce virus, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Hein. On va essayer d'obéir, hein. Voilà. Ouais. Mais tellement, tellement, tellement. Ouais. Ah, mais les gens, Ça c'est. Ah, ça s'est terminé en. Désolé. non, mais c'est galère. Bonjour Hugo, bonjour à toi. Ça peut partir car là, ça fait plus du tout. Mais... Non, mais c'est galère, c'est vraiment une galère. Ouais. Non, désolé Raphaël. Non, désolé Raphaël, je te prendrai pas. Et dans tous les cas, de toute façon, t'es pas mon voisin, t'habites pas non plus à côté, donc je suis désolée. Et je pense que t'habites plus loin qu'un rayon de 100 km. Je suis désolée, mais non. Hop. Même ma caméra, elle est en train de se dire, non, mais c'est bon, là, j'en. C'est vraiment, ouais. Enfin, bon, on verra bien. Voilà, on va pas. Dans panique, hein. Voilà. On aura ce qu'on aura. C'est comme ça. Oui, il y a plein de balles. Ok, bon, ça c'est déjà fait. Hop, on va sauvegarder parce que je sens le gros, la catastrophe arriver. Hop, du coup, on va passer au gommage pour récupérer un peu nos traits quand même. Voilà, on va essayer de faire ça à peu près correctement. À peu près correctement. Bah oui, je suis gentille, moi. Hop. Voilà. Mais c'est vrai que voilà. Et c'est vrai que c'est un peu la. Pourquoi c'est rouge? Ah oui, c'est vrai. Hop. Après, j'en oublie même à quoi sert le gommage. Et je me pose les questions de pourquoi c'est rouge en dessous. Alors que je suis tout simplement en train de gommer. C'est logique. Ah, c'est vrai, c'est. Alors, c'est quel bouton? Alors, j'ai tous mes boutons qui se sont barrés en fait en cacahuète. Du coup, je sais plus quel bouton fait quoi. Pourquoi je suis passée en aéro? J'ai pas besoin d'aéro, j'ai besoin de d'une gomme. Mais je crois que je vais go Hop, parce que là ça fait pas. Il va falloir une gomme un peu moins grande. Et on va faire ça tout doucement. Hop. Ouais, je dis tellement tout doucement que je fais de la merde. Hop, donc déjà là je vois qu'il est là. Ok, là c'est trop. Au moins toute cette partie. Voilà. Oh, j'ai pas trop mal. J'ai pas trop mal. Ah, c'est vrai. Oh! Y a plus rien qui répond. Tac. Puis non, Raphaël, il a honte de rien de toute façon. Hop, mince, s'il y a du blanc. Est-ce que ça va se. Oh, non, c'est pas ça que je voulais. Est-ce que ça va se voir de loin s'il y a une tache blanche? Oui, évidemment. Évidemment. Non, mais pourquoi tu t'affiches? Oh! Je fais de la merde. C'est bon. C'est bon, ma tablette, elle veut plus obéir. Hop. Bon. Ça va vraiment être du petit à petit. Hein. Hop. Sauf ça. Ok, on est bien parti. Oh non, trop vite. Non. Oh. J'aime pas ça quand la tablette elle obéit plus. Ok, bon. Oh.
Voilà. Ça peut paraître simple, voilà. Alors... Oh bah, mérité, mérité, hein, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu vite dit, hein. Hop. T'as pas vu tous les trous qui sont dans mon, dans le jardin, hein, dans le fond du jardin? Enfin, je te dirais pas ce qu'il y a dans ces trous non plus. Ni ce qui a été enterré. Hop. Bon, je vois à peu près. Je vois à peu près où est le trait. Non mais la tablette elle se fout de ma gueule. Que des fois la gomme elle va s'activer juste en cliquant, en posant le stylo dessus. Et des fois la gomme elle va pas du tout s'activer en juste en posant le stylo dessus. Voilà. Voilà. Bon. Hop. Déjà ça donne quoi? Que ça donne un truc à peu près potable. Ouais, bon, je referai le trait noir de toute façon tout en bas. Ça fait une sacrée platée. Ah, j'étais en train de me dire, mais en fait, il y a un gros problème. Mais oui, mais non, mais le psycho-couac. Alors, hop, j'ai pas fini de gommer. On va juste enlever. Ah, j'ai été trop vite. Ok. Ah, oh, ça va pas. Bah non, ça va pas trop. Du coup, beaucoup plus petit. Mais c'est pas du tout. Oh, c'est vrai, j'ai pas cette couleur. Bah oui, non, du coup, c'est pas la bonne couleur. Que là, j'ai plus rien qui marche. Donc, c'est le paradis. Voilà. Du coup, alors ça fait bizarre là parce que t'as lui fait une. Non, ça va, ça fait pas bizarre. Donc ça on va laisser, on va enlever, on va enlever, on va enlever. On va enlever là. Ouf, trop. Beaucoup trop gros. Voilà, si on enlève que cette balle, ça donne quoi? C'est pas trop mal. Hop, le problème c'est qu'elle est transparente. Ah, y avoir une bonne pelle, ça c'est nul là. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Voilà, donc ça c'est pas trop mal. Est-ce qu'il y a un autre endroit? Oui. Hop. Il a plus de bras. Il a plus de bras. C'est quoi qu'il n'a plus de bras? Mais il n'y a pas. Ah, c'est ça. Le trail. Ah, trop vite.
Hop. C'est pas trop mal. On va y arriver. On va y arriver. Je sais pas comment, mais on va y arriver. Ah mince. Le problème, c'est que là, je vois pas du tout. Bon, à la rigueur, non. Donc là, c'est vraiment du petit à petit, hein. Il faut qu'on puisse savoir où va le train. Ouais, mais attends, puis je referai le bleu. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Tout, 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 tout. Tac. Alors. C'est quoi? C'est son bras qu'il y a là? Ah oui, c'est la suite du bras. Ah oui, d'accord. Son bras est là. Comment dire que j'ai été. Ouais, bah tant pis. Hop. Je referai ça de toute façon. De toute façon, j'ai la tablette qui obéit même pas à la moitié. Hop. Tac, je vais faire ça en version bourrine. Et je referai ça plus proprement après. Voilà. Tac, ce sera mieux. Alors, tadam. Ça on fait des babales, ça on fait des babales, tout ça ni non qu'un. Ok, mais ça fait pas assez homogène. Alors, je voulais m'essayer, mais je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Ça fait rainbow. Ouh, ça fait arc-en-ciel. Et ben voilà. Hop. Non, 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 non. C'est beau, c'est magnifique. Sauf que non, c'est pas ça que je voulais. Non. Hop, alors je vais rajouter peut-être quelques petites balles parce qu'en fait ça fait pas du tout homogène. Il faut que j'arrive à. Oui, c'est bon. Je vais pouvoir refaire un peu de couleur. Hop, on va tout mettre en 120. Hop. À la rigueur derrière ça peut aller, mais devant ça ne va pas du tout. Ouais, mais de toute façon j'arriverai pas à voir mieux, je pense. Hop. Ok, donc ça c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Du coup, les amis, moi je vais vous laisser là. Voilà. Parce que de toute façon, le logiciel est plainte. Donc je vais pas pouvoir faire tout ce que je veux. Je vais essayer de terminer ça. Bon, je vais. Ouais, essayer. Ce qui me reste quand même à faire, théoriquement, non, je dois faire toutes les ombres des balles et leur donner un petit côté un peu plus brillant. Donc je m'explique. Un peu plus brillant, c'est-à-dire quoi? Hop, je vais la refaire. Voilà, un petit trait blanc, voilà, comme ça, partout. En plus beau, parce que là, ça fait vraiment moche. Non, ça fait vraiment moche. Alors, pourquoi ça fait moche? Normalement, ça fait pas comme ça. Attends, je suis en aéro. Hop, en 300, mais. Normalement, ça fait plus joli que ça. Là, ça fait vraiment pas beau. Bon, bah, de toute façon, je vais réussir à trouver. Du pourquoi ça fait pas beau. Hop. Parce que là, ça fait vraiment. Ça fait trop clair, quoi. Ça fait pas bien.
Toc. Donc du coup, voilà, je vais vous essayer de donner un effet de... Mais ouais, je vais essayer en fait. Je vais essayer de donner un effet de perspective. C'est pour ça. Là, ça fait un peu trop... Ça fait pas assez bien. Ça ne fait pas du tout assez bien. Ça se voit que c'est juste des ronds qu'on a mis comme ça. Donc faut que je voie. Il faut que je voie qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. Dans le fond, franchement, ça va. Ça se voit que les balles, elles sont empilées. Mais alors devant, par contre, c'est parti en cacahuète, justement. Et c'est ça le problème. Donc ça se trouve, il va falloir que je reprenne en fait toute la partie qui est en bas là. Donc c'est-à-dire, hop, reprendre, refaire en fait ouais, toute cette partie-là. Voilà, en gros, il va falloir que je reprenne toute cette partie-là. Ouais. Ça se trouve. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite à tous un bon dimanche. À peu près bon dimanche. Et surtout, n'oubliez pas, la semaine prochaine, voilà, je fais une petite vidéo gribouillée. Voilà, bah écoute, si t'aimes bien... À la rigueur, si t'aimes bien Benji, y a pas de souci, mais il faut quand même que j'améliore ça parce que là, ça vous se voit que c'est. Voilà. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, voilà, j'attends vos petits gribouillis. Voilà, si vous voulez me faire des gribouillis comme ça, pour que j'aille voir un psychologue après. Non, pour que je puisse voir si je peux faire des dessins par rapport à vos gribouillis. Voilà. Donc, bon week-end à tous. N'hésitez pas à aller sur mon Utip. Je mettrai le lien. Dans la description de la vidéo pour que vous puissiez y aller, et du coup, l'argent que je gagnerai sur le Utip, eh ben, je l'utiliserai pour mon cosplay de Becky Pan. Merci à tous, je vous souhaite, je vous fais plein. Merci Raphaël, moi je pense que je suis bonne à internet. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et à mercredi, du coup, bonne journée à vous!